Hello les gamakers, c'est Renzo et vous êtes sur la chaîne de la Video Game Academy. Bienvenue pour ce 12e tutoriel de la série des shoot'em up et cette fois-ci nous allons faire les ennemis. Ce tuto sera en deux parties parce que ça va être un peu long. Dans la première, nous allons faire et configurer les ennemis, deux ou trois pas plus, parce que comme je le dis tout le temps, si vous avez compris comment en faire un, vous savez en faire 50. Puis dans la deuxième partie, nous gérons leur apparition et un peu tout ça, comment ça fonctionne. Comme d'habitude, hein, voilà, je vous le rappelle encore et toujours, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi aller sur notre page Tipeee qui est en lien dans la description pour soutenir la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, nous voilà de retour sur ClickFusion. Nous allons donc faire les ennemis, première partie. Donc ça va être la création de l'ennemi. Je vais être franc avec vous, je n'ai absolument aucune idée de comment je vais faire. Je vais donc commencer par déjà voir. Nous allons commencer par faire les ennemis. Alors je pense que j'ai une image ici. Voilà, donc c'est l'image, la photo 43. Il y a plusieurs trucs. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des petits nuages, donc ça c'est du décor. On a ceci, on a ça, blablabla. Alors je pense que, après avoir joué, on a ces avions là ou là, hein, au hasard, qui viennent et qui passent et qui passent simplement vers le bas. Que on a les petits tanks qui sont là et qui apparaissent et qui font uniquement la figuration, je dirais, qui sont là, ils bougent pas, ils tirent. Il y a cet avion là qui arrive éventuellement de temps en temps et qui fait un petit mouvement comme ça et qui balance plein de tirs. Et on a les hélicoptères qui viennent sur le côté des écrans comme ça et hop, ils nous suivent et ils ne bougent pas et ils nous mitraillent. Après ceux-là, je pense que c'est des demi-boss. De temps en temps, il y en a un qui arrive. Le stage n'étant pas très très long, on va déjà essayer de faire ça. Alors je vois qu'il y a ça. Et par contre ça et ça, ça a l'air complètement la même chose. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis plusieurs fois. Et du coup, c'est pour faire les hélices de hélicoptère. Mais ça se passe comment? Écoutez, pour les hélices des hélicoptères, on va pas les faire. On fera ça dans. Ça fera partie du polissage. Hein. On rajoutera les hélices. Parce que je vois mal créer l'objet en même temps que ça et en en mettant un. Je pense que ça va être compliqué. Mais on va trouver un moyen. Donc on va pas trop se casser la tête. Le principe c'est pas de tout faire, le principe c'est que vous compreniez comment on va faire pour en faire une ou deux vagues et après on verra ce que ça donne. On va essayer. Alors premièrement, qu'est-ce que j'avais dit? Je vais dire insérer un objet. Déjà je vais mettre dans le calque main, sinon ça va jamais le faire. Insérer un objet, un actif que je vais appeler ennemi avion et je vais hop importer l'image. Déjà on va commencer par ça. Où est-ce que j'ai mis ces trucs là maintenant? VGA dans Valio et j'ai dit que c'était là 40 TD je pense. Hop, ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Bon allez, on va choisir celui-là au hasard. De la sélection. Hop là. On va prendre celui-là. On va mettre le point chaud, n'oublions pas, quelque part.
Et on va faire OK. Hop là, bon, on a un objet. Ouais. Alors, player manager, burst. Bon, on va créer un nouveau groupe. Événement que je vais appeler Enemy Manager. Il va être actif. Et comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ça? Alors, voyons voir. Alors, je vais déjà lui mettre un petit comportement. Ça m'évitera de devoir me casser la tête ou je fais pas de comportement. Réfléchissons. Ah, ouais, on va faire le comportement. On va dire que lorsque ça va être en collision avec un autre objet, mais. Non, on va pas faire ça. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on a déjà par rapport au game manager? Qu'est-ce qu'on a? On a les damage, il y a quelque chose. C'est déjà géré, donc techniquement si je... soustraire à HP, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui mettre un qualifieur. Qui est le qualifieur ennemi. Et je dois lui mettre une valeur modifiable qui s'appelle HP. Et je pense qu'ils meurent avec juste... Ils ont juste un HP. Donc concrètement, hop, qu'est-ce que je dois faire? Est au-dessus de... Power ça au HP du groupe ennemi et puis qu'est-ce qu'il disait lui? Hop, ouais, ok. Donc finalement je dois quand même lui mettre un comportement. Je vais pas mettre ça dans mes comportements. Je vais mettre dans, hop, dans Enemy Manager. Et je vais dire que quand dire de ça valeur modifiable HP est inférieur ou égal à 0, je vais faire détruire. Donc le HP est égal à 0. Donc techniquement, si je vais tester un truc, je vais juste mettre le vaisseau, je vais faire ça. Je vais le ramener là, hop, hop, et si je tire dedans, il est détruit. Ok, alors oui, on va le remettre là. On va lui mettre qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre value score.
Alors lui va donner combien de points? Bon, c'est rien, on va mettre 100 points, on s'en fout, c'est pas le but. Et je vais dire que lorsque... Alors, je vais dire compter... Hop là, j'ajoute au score. Je vais dire que j'ajoute au score. Langue 1, langue. Ajouter au score. La valeur. Valeur M, récupérer. On va mettre valeur modifiable B, on va voir, hein, peut-être que ça marche. Si je mets value score, ce qu'il va prendre. Il ne le prend pas. Donc on va hop, valeur AM, valeur modifiable. On va retester. Hein. Est-ce qu'il ajoute? Oh, il l'ajoute. Ok. Il l'ajoute. Par contre, j'ai pas vu. Il a fait quoi? Il a fait 0. Attends, on passe à 1. Ok. Donc ça, ok. Ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas value score? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Mais en attendant, ça fonctionne. Parti. Contre, c'est pas ajouter valeur manus là fois quoi fois c'est quoi ça c'est quoi compteur de score compteur multiplié fois valeur compte multiplicateur. Alors du coup hop. Je crois qu'il est en on va tester hop. 1 1 donc je dois avoir 110. Ok, ça fonctionne magnifique. Donc ça fonctionne tutum. Ça bon, lui il est toujours là. Alors on a notre première vague d'ennemis. Bon, on a le premier ennemi. Bon, eux, ils sont faciles. On va les mettre. Ils vont que tout droit. Donc, on va les mettre en balle qui rebondit. Direction initiale vers le bas. Vitesse. Non, 60, on va voir. Quelle vitesse ça. Quelle vitesse il passe, hop, je vais play. Un petit peu rapide, on va la mettre un petit peu moins, hop, on va mettre 50. On va faire ça, on va faire créer au démarrage, on va pas les faire, ils sont là et ils donnent. Je vais donc faire alors. Des actifs que je vais appeler des spawners et ces objets-là feront apparaître les ennemis. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, hop, je vais l'appeler spawner en haut à gauche, au gauche. Je vais dire qu'il est pas visible en début de scène, qu'il ne suit pas la scène, et on va le mettre ici. On va le mettre là, hop, et je vais le cloner.
Et je vais dire qu'il s'appelle haut droite. Et je vais le mettre ici, à peu près. Donc hop, comme ça. À peu près à la même hauteur. Ma moteur, il est encore en moins 66, moins 66. Hop là. Bon, alors j'ai mes deux spawners pour les trucs. Donc à tout moment, je peux faire apparaître une vague. Je vais lui mettre une valeur modifiable que je vais appeler compteur vague. Hop. Et je vais faire la même chose pour lui aussi. Hop, hein. Compteur vague. Alors ce compteur là, qu'est-ce qu'il va, à quoi il va servir? Il va compter le nombre d'avions. On va créer, je pense, comme le scrolling ne se déplace, il n'y a pas de scrolling, c'est l'écran qui se déplace, c'est le terrain qui glisse vers le bas. On va utiliser le timer du temps de jeu et à chaque fois calculer, dire quand le timer est égal à une certaine valeur, j'active une vague, donc un groupe d'événements, que ce sera vague. Quand on active cet événement là, moi je vais mettre le compteur à 0 et je vais dire que quand le groupe va être activé, je vais dire que toutes les X secondes ou les X machin, ce fameux spawner va créer un avion et ajouter 1 à son compteur. Et quand le compteur sera à un certain chiffre, je vais désactiver ce groupe. Donc en gros, le compteur de temps général du jeu, le Delta Time, ils appellent ça dans Unity, et par exemple à 3 secondes, j'active la vague numéro 1. Et la vague numéro 1, elle va dire toutes les X secondes, tu crées cet avion-là à partir de ce spawner-là. L'avion ayant une direction vers le bas, donc il va nous chier X avions, vu qu'à chaque fois qu'il va créer un avion, il va augmenter le compteur vague qui est ici. Et quand le compteur va arriver à, je sais pas, 10, 15, je sais pas, on va en mettre 10. Je vais désactiver la vague. On va tester pour voir si ça fonctionne. Donc je suis dans Enemy Manager. Je vais insérer un groupe d'événements que je vais appeler Timer. Et un groupe d'événements que je vais appeler Wave 01. Qui ne sera pas actif. Donc dans celle-ci, je vais dire que lorsque le timer est égal à 5 secondes, hein, on verra bien pour tester, je vais groupe d'événements activer Wave 1. Ok, et dans Wave 1, je vais dire que lors ce groupe d'événements, lors de l'activation du groupe, on va dire que c'est celui en haut à droite qui va se produire l'événement en haut à droite. Hop, lors de l'activation du groupe, valeur modifiable, je vais fixer compteur de vague à 0. Ok, donc c'est au cas où. Donc chaque fois que la vague va commencer, ici la vague 1 c'est pas important, mais si on l'utilise après, si on ne le remet pas systématiquement à 0, le compteur il va être directement à 10 quoi, donc du coup il s'arrêtera pas. Et alors voilà, et alors je fais pop, le timer est égal à une certaine valeur, non pas ça, c'est hop, le timer, tous les, je vais pas dire toutes les secondes, mais je vais dire 75 centièmes de seconde, on va essayer. Je vais créer un objet ennemi avion relatif à le fameux spawner au droite, faut surtout pas se tromper. Ok, et je vais me mettre en dessous de celui-là
Et je vais me mettre ici, compteur haut droite. Et je vais faire valeur modifiable, ajouter 1 au compteur de vague. Et puis je vais dire en droite, valeur modifiable, comparer le compteur à une valeur. Quand le compteur de vague est supérieur ou égal, au cas où, pour une raison x, y, le compteur passerait à 11 sans passer par le 10, passerait de 9 à 11, hein, on ne sait jamais. Supérieur est égal à, allez, 10, hop, je vais désactiver la vague 1. Donc, groupe d'événements, désactiver wave 1. Bon, ben, il ne reste plus qu'à tester, donc hop, je joue. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, hop. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, c'est que, hop, bah, on voit clairement le problème, c'est que ça détruit le truc. Donc, ça marche pas. Ça marche tant qu'il n'y a qu'un seul ennemi. Donc, du coup, bah, déjà, je vais la virer. Hein. Et on va finalement faire un comportement. Alors, ça, il va falloir faire un comportement pour chaque ennemi. Vous allez peut-être trouver ça long et chiant et fastidieux, mais ici on va faire que 3 ennemis. Peut-être que si vous en faites 10, ben, ça va peut-être être long, bien que ça ne va pas être très long parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Mais je rappelle, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves quand on fait un jeu, dès qu'on commence, ils sont super motivés, et puis ça devient vite c'est chiant, hein, faut faire 26 animations pour un Mario. Hein. Donc je rappelle, un petit rappel quand même, petite aparté, faire un jeu vidéo, ça prend du temps, c'est pas facile, ça peut être chiant. C'est voilà, donc il faut s'investir, comme je dis, voilà, ça se fait pas en 10 minutes. Si jamais vous voulez faire un jeu et que vous n'avez pas envie de passer plus de 10 minutes à faire votre jeu, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine. Vous allez avoir une grosse merde. C'est le jeu, il faut y mettre du temps, c'est relativement embêtant parce que il y a des choses qui seront répétitives. Comme je vous dis, ici, bah, il va falloir le faire 10 fois. Voilà, bref, il faut y passer, il faut bosser. Votre jeu ne sera que meilleur. C'était la petite phase bien chiante de l'histoire. Donc, on va faire un comportement. Et on va commencer par dire que quand ça est en collision, parce qu'on ne s'est pas importé dans la version de base de ClickFusion, dans les comportements. Si vous ne savez pas ce qu'est un comportement, je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait sur les comportements et les qualifieurs. On ne sait pas importer de qualifieurs dans les comportements, sauf en achetant l'extension qui s'appelle +2.5. Enfin bref, ça coûte une cinquantaine d'euros. Je ne le fais pas pour la simple bonne raison que, comme je le disais, j'essaie de faire un maximum à moindre frais pour vous. Donc, je ne vais pas acheter l'extension. Personnellement, moi, j'aimerais vouloir l'acheter, mais je ne l'achète pas pour le moment. Mais il y a forte chance qu'à un moment donné, je vais l'acheter parce que c'est vraiment intéressant, ne fût-ce que pour ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On doit faire l'avion est en collision avec un autre objet. On va devoir importer. Importer ben, ça alors on pourrait mettre où mais ça ne marchera pas donc quand il est en collision avec ça je soustrais de HP la valeur du compteur main. Hop, la valeur courante du compteur main. Ok. Donc je soustrais ça. Je vais faire ça pour tous les autres. Donc collision avec
C'est la partie embêtante. Donc, quels sont les tirs? On a quoi? On a. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Le bouclier Nombus Live, Background, Force Counter. Merci bleu. Okay. Bon, celui-là. Collision entre ça et ça. Mais déjà, on va détruire celui-là aussi, en passage. Alors, ça va là, ça va là. Donc, hop, je soustrais 1 de la valeur HP, mais c'est pas ça. On va l'apporter aussi. Donc, valeur 8. Non, c'est pas valeur 8, ça c'est une valeur 40. Donc, je soustrais de la valeur sub. Et je détruis celui-là. Ok. Et puis. Celui-là, apporter, et alors on a tir bit bleu, tiens, hop, celui-là, ok. Hop, édition. On va apporter celui qui reste, valeur courante, celui-là, et je détruis celui-là. Donc si je teste. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, il n'a pas l'air de mourir, hein, l'avion. Il a combien de vie cet avion soustrait? Donc, quand le stage commence, c'est à 1. Cet avion a combien de vie? Il a 1 HP. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas du coup? C'est bien étrange. On va le laisser là. Hop. Qu'est-ce qu'il dit? Collision entre ça. Je soustrais la valeur 1 HP. Ah ouais, mais. Pff. Si je dis pas qu'il meurt, valeur modifiable, comparer une valeur modifiable, HP est inférieur ou égal à 0. On va juste faire détruire ici. Hop là. Détruire. Non, pas ça. Non. Hop. Alors, 2, 3, 4, 5, 4. Bon, alors pourquoi est-ce qu'ils meurent tous? J'ai dû laisser des trucs qu'il faut pas. Alors, un manager. Hop, donc manager. Il faut que je fasse ça. Donc, ce machin là de damage, il va dégager. Alors celui-là, ça c'est quoi? Ça c'est ça. Hop. Celui-là. Collision entre. C'est quoi ça? Tir bit. Ouais, c'est tous les tirs. Est-ce que je peux virer damage? Je vais pas le désactiver, mais je vais faire ça. Voyons voir ce que ça donne. Bon, là, ça fait un petit bug, mais c'est un petit peu logique vu que ils sont pas détruits. Vu que j'avais dit que c'était détruit ici. Donc à la limite, moi ce que je peux faire, c'est mettre le dummy ennemi. Hop. Et je vais faire créer au démarrage. Et
Et on va voir, hop, hop. Par contre, ils arrivent pas assez vite, c'est chiant. J'ai désactivé celui-là. Celui-là, ça va. Alors, hop. Édition. Édition, j'ai dit. Hop là, voilà. 75. Bon, on va mettre 25. Moi, je veux que ça vienne. Édition. Et on va mettre. On va mettre 20. Viennent bien vite. Ok, bon, comme ça, hop, ça fonctionne. Donc, par contre, je vais retourner là-dedans, dans le comportement, hop là. Je dis que. Alors déjà, hop, position, tester la position, il sort, hop, on le détruit. Quand HP est inférieur ou est égal à 0, je le détruis et score, j'ajoute au score, valeur. Score fois apporter la valeur pour prendre de ce machin là. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Donc alors la vague 1, qu'est-ce qu'elle dit? Hop, compteur de vague tous les 25, on crée ça à la compteur de vague. Ok, bon, ça fonctionne. Alors, ça paraît. On va sauvegarder. Alors, ça paraît un petit peu naze parce qu'il y a que 20 vaisseaux qui sont venus. Mais n'oublions pas que c'est la première vague. Après, il y aura plusieurs vagues qui vont venir en même temps. Donc, on va regarder. Je vais faire la deuxième vague du coup. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier. Est-ce que je vais la copier? Ouais, ouais, je vais la copier. Copier. Coller. Sauf que ici, je vais faire le spawner gauche. Et je vais. Mettre celui-là à la place. Hop. Et je vais dire que le timer est égal à 600 secondes. Je vais activer. Ouais, vous devez. Et normalement, hop, lui il fait automatiquement désactiver le groupe Wave 2, parce que celui. On va tester. Hop. Donc, boum, tu, piu, 3, 4, 5. Alors, tata, piu. Alors, pourquoi il n'y a pas d'autres vaisseaux qui viennent? Pourquoi il n'y a pas d'autres vaisseaux qui viennent? J'active le groupe WAV 2. Alors le groupe web 1, je fais. Par contre, moi ce que je vais faire déjà, j'ai remarqué un truc, c'est les tirs. Les tirs, ils vont en qualifieur. Ah, ils n'ont pas de qualifieur, les tirs. On va leur mettre un qualifieur. Moi je veux que les tirs ne sortent pas. Donc alors, qu'est-ce que c'est quoi? Ils ont quoi? Ils ont.
va leur mettre quoi? On va lui mettre arme. Parce que sinon dans 2 heures on est encore là. Alors il y a ça. Les armes, ok. Et dans Game Manager, je vais dire que pourquoi toujours? Ah oui, parce qu'il y a déjà un truc. Hop, un nouvel événement. Le groupe tir, position. Réfléchissons. Donc le timer est égal à 7. J'active la wave 1, j'active le groupe wave 2. Ok. Et puis lors de l'activation du groupe, je mets fixe le compteur vague à 0. Ajoute 1 au compteur 25. Et alors, quand le compteur vague du groupe au droite est bien haut à droite, ouais, et supérieur ou égal, supérieur ou égal, je désactive ce groupe-là. Donc, du coup, il ne crée plus d'ennemis. Puis, à 7 secondes, activer le groupe F2. Je mets au gauche là, j'ajoute un la vague, je crée. Ah, et voilà, c'est ici qu'il y a un souci. Les laisser passer juste pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, piou 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 piou. Ouais, donc on va hop. Voyons voir un petit peu. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de fonctionner. Faut juste pas se tromper quand on fait des copier-coller, éviter de faire ce genre de truc, de vérifier un petit peu ce qu'on fait. Donc on a une vague 1, on a une vague 2. Alors on va s'occuper maintenant un petit peu des autres. Donc je vais faire un créer. Ça s'appelait comment ça? Ennemi avion. Je vais insérer un autre objet. Un autre actif, lui il est bien à pas créé au démarrage. Ok, hop, je vais l'appeler ennemi hélico. Et je vais importer le truc. Donc attends, pop. Lui il a comme ça, comme ça. Je vais l'importer. Alors, quand il est tourné vers le bas, c'est comme ça.
Alors, je vais mettre ça comme ça et je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme image, lui? Ok. Ok, là. Hop. Il a comme ça. On va mettre là, hop. Là. Et l'autre comme ça. Hop. Alors, je pense que mettre le point chaud au centre de l'image, ça va pas le faire. Mais... à l'usage pour voir comment ça se passe. Je rappelle aussi que le point d'action, c'est l'endroit à laquelle les tirs vont partir, et que malheureusement ici on ne peut pas faire de copier-coller symétrie horizontale, pour la simple et bonne raison que si on fait ça, le canon va, si on fait une symétrie horizontale de ce machin là, le canon va se retrouver de l'autre côté. Donc on est obligé, mais maintenant il y a deux images. On va pas faire ça chuchote non plus. Hop là. Bon, on verra ça. Et on verra ça. Pour l'hélice, je verrai parce que je ne vois pas trop. Je vois pas trop ce que je vais en faire. On verra. Alors, au centre, ici. Alors, donc j'ai... Alors, je vais copier ça. Est-ce que je sais le mettre sur ça? Ok, alors là, ensuite, bon, j'ai l'objet, alors les hélicoptères, je vais les faire apparaître. En fait, les hélicoptères, ils apparaissent de gauche et de droite. Je vais m'arranger pour avoir un... qu'ils apparaissent... aléatoirement à une différente histoire. À peu près cette hauteur-ci. Et qu'ils vont s'arrêter... aléatoirement ici. Alors comment est-ce que je pourrais bien faire? Alors premièrement, déjà je vais les mettre en qui ne suivent pas la scène pour éviter d'être qu'ils soient ici, le scrolling. Mais de toute façon il n'y a pas de scrolling, donc je pense que ça change pas, mais dans le doute. Il m'en faut un certain nombre aussi. Donc dans tous les cas, je vais leur mettre aussi valeur HP, valeur value score. Alors je vais leur mettre aussi un HP. Et ça va être des ennemis de base, donc on va mettre un aussi. Là, value
score. Et eux, on va leur mettre, on va leur donner 200. Voilà. Ok, alors ensuite, je vais créer insérer un objet, un actif que je vais appeler spawner Enico droit. Que je vais mettre, lui ils sont pas visibles, hein. Hop. Que je vais décocher visible en début de sim, que je vais mettre ici, hop, je vais le mettre là, je vais voir un petit peu, ça ne me voit pas, c'est embêtant, ouais, donc je vais le mettre là. Voilà, ça je suis pas embêté. Par contre, je vais quand même le hop. Je vais le mettre là. Et lui, je vais lui mettre un mouvement. Cheminement. Alors je vous préviens, peut-être que ça va pas fonctionner du tout. Et on verra ce que ça donne. Hein. Cheminement. Hop. Retour, bouclier. Donc en gros, le spawner, il va monter, descendre, monter, descendre. Ce spawner en question, il a aussi un vague, compteur vague, et je vais le cloner, hop là, et je vais le mettre à peu près ici, hop, à la même hauteur que l'autre. Position Y45. Ça change pas grand chose, mais voilà. Voilà, alors voyons voir. Donc, on a notre spawner qui fait ça, notre spawner qui fait ça. On s'en fout un petit peu. Il est là, c'est lui qui va cracher les trucs. Game Manager, quitte le terrain, édition, hop, j'ai rajouté ça, ça et ça et ça, allez hop, dès que ça tourne, comme ça c'est fait, quitte le terrain, je vais pas les appeler Wave 1 et 2, hop, je vais faire édition, je vais les appeler Wave avion droite. Et je vais créer une nouvelle, un nouveau groupe d'événements que je vais appeler Wave Helico droit, que j'ai oublié de mettre en actif, désactiver. Et je vais dire que hop. Seconde, groupe d'événements, j'active hélicoptère. Donc, techniquement, c'est la même chose. Hein. Je vais donc pop lors de l'activation du groupe. Valeur modifiable, je fixe la vague à 0. Alors, pop, ouais, tous les 25 centimes de seconde aussi. Je vais créer un objet.
je vais créer un objet. Hélico, relatif à spawner droit, c'est ça? Et je vais ajouter un au compteur. Alors, ajouter un vague. Ok. Et là, quand je dis que le compteur de vague droit top un valeur est supérieur ou égal à 5, je désactive code d'événement. Désactiver le point hélico. Donc ça c'est pour la vague. Par contre les hélicos. Hélico. Type de mouvement. Juste une balle qui rebondit. Direction initiale aucune. Respiration. Hop. Donc alors je dis que lorsque je crée il est à droite hein, donc il va vers la gauche. Je vais insérer, je vais dire que l'hélico direction, sélectionner une direction, donc il va par là. Donc je crée, je le fixe. Je crée, je le fixe, je le crée. Ensuite son petit comportement top top, je dis que toujours toujours mouvement là fixer la décélération à la valeur slow. Ok. Et ici à la création de l'objet, je vais dire donc je le crée et puis je fais insérer, je fixe valeur modifiable, fixer slow à un chiffre au hasard entre combien entre 40 et tente, on verra bien. Donc qu'est-ce que je fais ici, c'est moi je veux que l'ennemi, hop, je vais mettre l'écran, je veux que l'ennemi quand il apparaisse il vienne ici et vous il ralentisse. Alors pour ça je l'ai mis en mode balle qui rebondit, hop je l'ai mis en balle qui rebondit et je dis que la valeur slow c'est toujours la valeur d'accélération pour pouvoir dire avoir un chiffre au hasard. Donc non seulement ils vont apparaître n'importe où ici, mais ils vont apparaître ils vont s'arrêter n'importe où ici. Va falloir tester parce que je n'ai absolument aucune idée au niveau des valeurs à ce niveau aussi. Donc je vais faire play et je vais voir. Ouais, je viens de le voir passer. Hop. Créer au démarrage. Alors on va voir.
Alors c'est magnifique parce qu'il n'y a absolument rien qui est venu. Voyons voir. Donc j'active le groupe droit lors de l'activation. Hop, je fixe la vague. Je crée un hélico à 0,0 du droit. On est bien droit, droit, ok. Alors je suis censé le créer. Je fixe l'eau à random. Et je fixe la direction à ça. Alors c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Bim, bam, boum, vitesse, c'est bon. Il bouge au démarrage. On va laisser. Donc c'est à combien? C'est à 9 secondes. On va voir s'ils sont là. En fait, il y a ça. 5, 6, 7, 8, 9. Là, il devrait y être. Donc si je fais ça, est-ce que j'active, est-ce que j'ai des hélicos? Hélico 5. Bon, il est là, pourquoi? Alors voyons voir un petit peu ce qui se passe. C'est probablement un truc dans le comportement. Alors ouais, et alors à mon avis, il est là, mais c'est parce que l'animation qui est là est... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le problème est que l'animation va de ce côté-là. Et que si on le change, il disparaît en fait. Il est là, mais on ne le voit pas. Donc du coup, je ne vais pas devoir faire comme ça. Ça ne va pas être une balle qui rebondit. Du coup... Donc ça va pas être une balle qui rebondit, ça va être un statique. Le slow, je vais pas l'appeler slow, je vais l'appeler X speed. Et et alors à la création, je vais fixer X speed. Ah, il spawn à droite, donc il doit aller à gauche. Donc entre moins... Moins, moins quoi? Moins 5 et... Non, moins 5. Moins 5 et moins... Moins 2. Ça sert plus à rien. Ajouter un truc. C'est chiant qu'on ne sait pas revenir sur le truc, le comportement. Alors, fixer d'accélération et speed, ça ne sert absolument à rien. Par contre, non, ça ne sert à rien. Hop, je vais dire que tous les... Je vais soustraire. Soustraire.
1, 2, expeed. Et donc on veut dire que... si expeed... Xpeed est différent de... Bon, on va tester. Hop. Alors, voyons voir. Donc, c'est à 9 secondes. On pourrait mettre les vagues à 2 secondes à chaque fois et puis changer. Ça n'apparaît toujours pas. Ça n'apparaît toujours pas, c'est un difficile. Donc, il est visible. Il est statique. Il est créé au démarrage. Il a X-Speed. Ouais, mais X-Speed est à 0 en fait. Donc, hop. Donc, quand je crée l'objet, je le crée. Spawner hélico droit. Ah oui, mais. Je dois dire qu'il est toujours. Pas mettre là-dedans, on va le mettre dans le comportement. Dans le même principe, il est invisible. Comportement, édition, toujours. Direction, regardez dans la direction 2, relatif à, importer. Lui. Dans la direction 2, A, T, ou le pi. Et ils ne sont toujours pas là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Hop, attractif. Et pourtant, ils sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Toutes les 50 centièmes de seconde, soustraire à X-Speed. Si X-Speed de l'ennemi hélico est différent de 0. Mais lorsque j'active les runners, je crée un, je fais X-Speed à moins 5 ou moins 2. Comportement toujours position fixer la coordonnée en X à l'hélico position coordonnée X plus X speed X speed. Bon, pour qu'est-ce qui fonctionne? On va finir par trouver, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ils ne viennent toujours pas. Ils ne viennent toujours pas. Est-ce que pourquoi ils ne viennent pas? Fixer X-Speed à random. Ok. Je tombe, ils partent dans l'autre. Ah là 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 là. Hop là, fixer la position X à X de l'hélico plus X speed. Alors, le plus simple, c'est de prendre celui-là. Voilà, voilà ce qui se passe.
droit. Voilà ce qu'il y a. Ils étaient là, mais ils se barrent. Pas dans le bon sens, donc on va réessayer. Donc 45. Et du coup, bah. Fiable. Donc vague est supérieur ou égal à 5. Groupe d'événements désactiver et les codes droits. Bon, pourquoi est-ce qu'il veut pas me renommer son machin lui? Donc ça, est-ce que ça, non, au niveau du comportement, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais plus. Faire un, normalement il n'y a rien. Donc bah, on va réessayer. Ça marchait, mais ils sont partis. Ok, bon, y a de l'avancement. Soustraire de 1 avec speed, donc toutes les 50e de seconde. Si on va mettre 25. 10, hop. Passe. Ouais, il y a un souci. Soustraire. Si on fait ajouter. Édition 50. On va finir par trouver hein, une fois qu'on a fait. Bon. Ça, ça commence à être bien. Édition, on va mettre 40. C'est 60 que j'aurais dû mettre. Si je mets 60, non, c'est 40. Non. Non, 60.
laisser 60, ça va pas, j'en mettrai 40. Hein. Piu 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 piu. Non, on va remettre 40. On va remettre 40. Pourquoi tu veux pas? Ouf, effectivement, c'est un peu. 40. Donc là, alors par contre, il y a un truc que je n'aime pas du tout, c'est ce machin là au comportement. Quitte le terrain en bas, je vais remplacer ça par hop position comparé en Y et supérieur à. Sur 480, 800 sur 600, je sais plus. Là, il est haut, hop, 600. Bon, on va garder 800 sur 600. Hop, hop, donc est supérieur à. On va mettre 650. Pourquoi? Parce que, en fait, quand les avions passent, dès qu'ils touchent ça, ils disparaissent et c'est moche. Voilà, donc. Autant le corriger maintenant. Voilà, c'est nettement mieux. Hein. C'est nettement plus agréable. Hop. Alors, lui, je voudrais par contre. Hélico droit, hélico. Hop. Mouvement, cheminement. Position que je veux. Hop. Et l'autre. Aussi. Ok. Là, il y a quand même un truc qui m'embête encore. Alors si je rends tous les, donc plus j'augmente, plus donc je vais mettre 30. Ah, allez. Je me fais avoir à chaque fois 30. Et je voudrais qu'il soit. Hop. Je dois changer en fait. C'est à la création de l'objet. Donc je vais mettre. Je vais remettre 50. Mais dans le wave. Ici. C'est pas moins 5. Je vais mettre moins 6 et moins 3. Comme ça ils disparaissent. Non, comme ça. Hop, la gomme. Ouais, ok. Bon, on va garder comme ça. Donc du coup, ben maintenant, il faudrait peut-être qu'il tire, ce serait intéressant. Donc, dim. Alors. Les 35 centièmes de seconde. Non, c'est un objet. Ce machin là, lancer en direction 2. De...
Copier, coller. Ouais, évidemment, ça ne sert à rien. Hop. Comportement. Gna gna, nanana, nanana. Hop, hop. Allez, hop. Lance un objet. Là, c'est en direction de relatif A. Oui. Ok, hop. Voilà. Voyons voir ce que ça va donner. Ouf. 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 Ça fait mal, ça, quand même. Mais je sais que le jeu doit être difficile. Ça, c'est des snipers quand même. Hein. Bon, on va relancer. Alors hop, moi ce que je vais faire, c'est faire édition, et au lieu de faire ça, je vais faire un calcul, je vais faire entre 1100 et 800. Ok, tout est bon. Pour éviter qu'ils tirent tous en même temps. Alors qu'ils vont tirer entre 1 seconde 1 et 8 centièmes de 8 centimes. Voilà, du coup ils tirent plus du tout. Couler, gna. Ça a fonctionné pourtant. Des millièmes de seconde. Ah non, ça fait des secondes. Ouais, non, donc il dit de la merde. Alors déjà, c'est entre pas dans ce sens là déjà. Hop. Alors c'est entre 800 et 1100. Voilà, c'est déjà mieux. Ok, c'est déjà plus intéressant. Alors voilà. Ensuite, c'est... qu'est-ce que j'avais fait moi pour celui-là? Je ne sais plus. Niveau du comportement. Ça. Et retranscrire ça là-dedans. Coller. Allez. Nico. Ajouter valeur. Hop, édition. Pop pop score c'est le détruire l'hélico. Hop, alors
Ça détruit. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Hop. J'ai fait édition. Ça va, c'est bon. Hop. Soustraire. Un HP. Hop. Alors lui il a combien? Lui il a 2 de HP je pense, enfin, je sais plus. Il a 1 et il gagne 2. Bon allez, hop, on lance la partie. Ah ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors hop. Je vais faire ça. Hop. Copier. Je vais faire coller. Définition. Je vais faire gauche. Gauche, là-bas, hop. Mission. Tous les machins. Lors de l'activation du groupe. Vague à zéro. Random à 6 3 ok Alors je crée un hélico, un hélico gauche, je fais X-Speed 1, 6-3 et j'ajoute un truc. Bon, voyons voir. Bon. Ils apparaissent pas, pourquoi? Parce que dans le comportement ils vont j'ajoute un XP et si j'ajoute un censé aller par là. Alors on va repartir. Hein. Du. XP
Wagner, il est au gauche. C'est bien celui-là. Il est bien créé au démarrage. Alors, quand arrive à timer est égal à 11 secondes, j'active Wave Hulk gauche. Lors de l'activation du groupe, je fixe spawner Hulk gauche à gauche. Et tous les 25 secondes, je crée un ennemi Hulk à 2-0 de spawner Hulk gauche. Je fixe speed 2 à 6-3. J'ajoute un à vague de spawner et que spider voilà encore édition la 6-3 c'est 3-6 déjà intéressant mais il ne s'arrête plus du coup donc pourquoi parce que je fais tous les fixing speed à random et alors je, à mon avis je pense que le problème il est ici et il est dans le comportement et il est ici à fixer la position et que ça plus x speed comme je le rajoute devrait mettre moins mais le problème c'est que si je mets moins du coup ça va plus quand ça va dans l'autre sens alors ce que je vais devoir faire c'est un hélico droit et je vais le cloner et du coup ici je vais faire édition moins x speed de gauche si j'en mets celui-là un peu droit ok donc ça va. Par contre, dans le groupe blabla, il n'y a que ici. Le droit sera inséré. Créer un jeu de gauche. La tige A sera au mur gauche. Okay. Et ici je fais fixer x speed de l'écho gauche alors modifiable fixer x speed random 3-6 Bon, ils sont pas venus, pourquoi ? Pourquoi ?
Vague, désactiver wave hélico gauche. Créer un hélico gauche. Je fixe speed à random. Random entre 3 et 6. Hélico gauche. Tous les fixés de hélico gauche, tous les machins. Ajouter un x speed, c'est soustraire un x speed. Alors tous les 50 centimes de seconde, je soustrais. Donc je lui ajoute toujours X speed et X speed diminue. On va voir. Ça va, là ça va. Et il s'arrête. Ok, nickel. Ça fonctionne. Je vais sauvegarder. Voilà, on va. Voilà, je vais arrêter ici. On en a 1h30 de vidéo passée. La prochaine vidéo, nous ferons les tanks, les ennemis, enfin les ennemis immobiles, les tourelles et tout ça. Et le placement des boîtes bonus et tout ça. Et on rajoutera des vagues pour que ça aille jusqu'au boss. Donc, deuxième partie. On fera aussi les mini-boss aussi. Donc, c'est les endroits où les boss arrivent. Voilà, donc écoutez, pour cette vidéo, ce tuto un peu long encore, comme tous les tutos d'Elelio, c'est terminé. Donc comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas le cas, aller voir sur Tipeee pour soutenir la chaîne, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel, ClickFusion. Salut !